ralentis là. Tu marches trop vite. Là, t'es déjà fatigué. On a fait à peine 4 km. Ouais, mais ça grimpe. J'ai pas ton entraînement. Comme dit mon adjudant de père, on en chie, mais c'est bon. Ouais, mon lieutenant, mais moi j'ai pas signé pour ça. Vous êtes tous comme ça dans la famille? Non. Mon frère Fabien est pire. Tu verras, la vue vaut le coup d'œil. On est presque arrivé. T'es sûr? T'es pas perdu? On a croisé personne depuis qu'on est parti. Parce qu'il n'y a jamais personne dans ce coin-là. Ah bon? Non. Tu veux pas qu'on fasse une pause? Si tu veux. C'est là pour filmer? Ouais. Quoi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai quelque chose à t'annoncer. Ouais. Je vais plus partir à l'autre bout du monde. J'ai donné ma démission. Mais pourquoi? Parce que j'ai bientôt plus pouvoir courir, ni faire trop d'efforts. Attends, explique-toi, tu me fais peur. Tu vas être papa. Hein? Tu veux dire que t'es enceinte? Oui, de 6 semaines. C'est vrai? En même temps, il était temps, ça fait plus d'un an qu'on est mariés. Mais il fait pas un peu froid pour... Mais justement, on va se réchauffer. Bonjour maître. Oui, bonjour Alice. Je sors du tribunal là. Le jugement vient d'être rendu après 3 heures de délibéré. Oui. Hélas, j'ai pas une très bonne nouvelle. Dites-moi. Il y a des tests génétiques ne sont pas très concluants. Les jumeaux ont pratiquement le même ADN. Et les échantillons retrouvés sur la casquette ne permettent pas de dire précisément lequel des deux était sur les yeux. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'ils ont été acquittés. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le jugement de la Cour de cassation n'est pas contestable, même devant la Cour européenne. Donc c'est fini. Alice, sachez qu'on a tout fait avec le juge pour essayer de les faire avouer, mais impossible de savoir qui était sur place. Et la Cour ne peut pas, vous comprendrez bien, prendre le risque d'enfermer l'innocent en prison. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on s'appuie. Oh, c'est quoi ce bordel? Alors? T'as pas le compte, là?
Vous aurez l'autre moitié quand ça sera fait. Ok. Mais t'oublie pas. On sait où te retrouver, d'accord? On y va. Putain, j'ai de ce mal de crâne. J'ai pris mon téléphone, ni mes papiers. Où est-ce qu'on est? Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce qu'on est arrivé là? Je ne sais pas pour te le faire. Mais arrête de m'appeler comme ça, t'as que 3 minutes plus de moi. Ouais, ben ça suffit pour que je puisse t'appeler comme ça. C'est quoi ce coup tordu? Ça ne remet pas? L'accident de chasse? Le procès? Merde. T'as raison. C'est le mort? Il était photographe. On doit être dans son studio. Et ça? Qu'est-ce que ça fout là? Sa femme a fait une fausse couche après l'accident. Tu crois qu'elle veut se venger? Elle n'a pas digéré qu'on s'est relâché. Mais venger de quoi? On est innocent. Putain, elle est malade. Non, elle n'est pas de sa vie. J'y suis pour rien dans cette histoire. Je ne chasse pas. Mais moi non plus. C'est pas mon truc. Pourtant, il y avait une alien sur la casquette. Ce n'est pas ma casquette. C'est pas la mienne non plus. Putain. Écoutez, c'est pas notre faute. On n'est pour rien dans le décès de votre mari. Laissez-nous sortir. J'ai une boîte à faire tourner. Le gaz sortira par là. Faudrait le boucher. Avec quoi? On n'a rien.
t'es fait mal? Je t'avais dit que ça servait à rien. Il est vide. Quoi ça sert? Ouais. C'est simple. Elle veut le coupable. Tu vas devoir avouer. Mais je te dis que j'ai rien fait, c'est pas moi! Je crois qu'il y a un seul de nous deux qui sortira d'ici vivant. Elle attend qu'on s'entretue. Tu es fou? Baisse cette arme! Alors dénonce-toi. Je t'avais dit que j'étais pas de cette forêt. T'as jamais pu assumer tes actes. T'es que un lâche. Tu pouvais pas rester à Manchester? Pour me cultiner le vieux? Sûrement pas. Pourquoi tu m'as suivi ici? T'as rien qu'à bouler. Fuck you. Laissons faire le destin. On va jouer un jeu. La roulette russe, tu connais? Faut pas entrer dans son jeu. Le gagnant remporte la masque à gaz. On est frères, on va s'en sortir ensemble. On n'a jamais été si proche que ça. Le masque à gaz, on n'aura que sur le passé. Tu rêves? Le gaz va remplir le masque dès que l'on quittera. Je ne vais pas te faire un dessin. Un seul masque, un pistolet et une balle. Tu es fou, Richard. Arrête, bordel! Tu peux pas faire ça! Richard, bordel, arrête! Alors dis quelque chose. D'accord! J'avoue! C'est moi qui ai tiré! Putain, c'était un accident! Raconte. J'avais faim! J'avais plus un rond! Je voulais chasser! Voilà! Il a avoué! Vous avez ce que vous voulez, non? Alors ouvrez la porte! Et arrêtez votre compteur! J'ai avoué! Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pourquoi est-ce qu'elle répond pas? Qu'est-ce qu'elle veut à la fin? Quoi? Vous voulez notre mort? Je crois qu'il va falloir aller jusqu'au bout. Ce n'est pas que la vérité qu'elle veut. C'est une exécution. Quoi? Tu veux me tuer? Tu crois que ça va régler ton problème maintenant qu'elle sait que c'est toi le coupable? Salaud. T'aimes bien te foutre de ma gueule. Ah.
Désolé. Au secours! Appelez la police. Aidez-moi. Je vous entends, j'appelle la police tout de suite. Police, montre tes mains. Elle a essayé de vous tuer. Non, tu peux, il n'y a pas de gaz toxique. Elle doit être par là. T'es tout seul ?